J'allais le voir à l'Alhambra quand il a fait son grand spectacle et j'avais été subjugué du talent qu'il avait. À Paris, ils s'en vont amoureux comme deux collégiens. Mon père a toujours été très proche des causes populaires. Il a toujours soutenu les ouvriers, soutenu les gens qui travaillaient dans des conditions difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait le même point de vue. Il continuerait à les défendre et à se battre pour eux. Un bonhomme comme moi, je les aime. Et il y en a de moins en moins, des comme ça. C'est un peu dommage. Alors, Maubourg Blaze, dites-moi un gros mensonge alors. Alors un gros, un paf, que je vois si je vous crois ou si je ne vous crois pas. Alors, dans les basques du Monseigneur, hier soir, en faisant ma promenade, j'ai trouvé 200 000 ducats. Hein ? Mais où sont-ils ? Sous la paillasse. Il y a des quartiers de Paris qui sont en fête. L'obélisque ici, les Champs-Élysées là, les Tuileries derrière, et la Grande Roue qui permet de tout voir. Pourvu que Paris reste longtemps une fête. On ne touche pas au roi des pays froids. Sachez qu'avec moi, ça se passera pas comme ça. Ding dang dong, ding dang dong, ding dang dong. Joyeux Noël. Les forains ont une place particulière dans notre pays, dans l'histoire de la fête dans notre pays, et je suis très très content de les saluer à cette occasion. Et j'appelle chacun et chacune qui a envie de venir, à venir sur le marché de Noël, à venir sur les Champs-Élysées. Bon, c'est pas à Saint-Ouen qu'on se voit aujourd'hui, donc c'est ici. Comme chaque année, un petit peu avant Noël, là, trois jours avant Noël, c'est la grande distribution de jouets pour les enfants d'Île-de-France, donc offert par Marcel Campion et le Secours Populaire. Donc voilà, nous sommes au pied de la Grande Roue et la distribution de jouets va bientôt commencer. Il y a 1 million de personnes qui ont la carte du Secours Populaire, c'est un bond considérable. Il y a un pasteur qui a dit « Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance ?» Et bien nous, c'est la ligne de conduite. Vive mon beignet, beignet chocolat, beignet abricot. Elle s'est mise à chanter ensemble. Beignet, beignet, vive mon beignet, beignet chocolat, beignet abricot. Cette année, bien, j'ai amené 80 copains du monde ici à la Grande Roue, à l'initiative de Julien Loprette et notre ami Marcel Campion. Quand on voit des petits Israéliens qui jouent avec des Palestiniens, quand on voit des petits Marocains qui jouent avec des petits Sahraouis, alors que les gouvernants se font la guerre, ça vaut bien le coup de répéter notre idée, c'est d'apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer, à se rencontrer plutôt qu'à se fuir. Mais oui, c'est trop bon à la barbe à papa, c'est des pois sucrés qui se collent sur les doigts. Mais oui, c'est trop bon à la barbe à papa, c'est des pois sucrés qui se collent sur les doigts. Et les amis, aujourd'hui, c'est un grand moment, un moment émouvant. Nous avons avec nous une famille qui a quelques semaines encore été à Damas. Ils sont une famille des copains du monde, ils viennent de Syrie. Et rien que pour eux, pour ce qui se passe là-bas, dans la catastrophe, la solidarité internationale, les copains du monde, le Secours Populaire, tous unis avec le peuple syrien. Tous unis avec le peuple syrien. Merci. La Grande Roue, elle doit tourner, ça fait vraiment partie de Paris, et moi je pense qu'effectivement quand on voit la symbolique, voilà, des petits véhicules qui tournent comme ça, c'est l'éternel recommencement de l'âme parisienne. Si on enlève la Grande Roue, je suis pour enlever l'Arc de Triomphe. Bien sûr, depuis 8 ans, donc il y a le marché de Noël qui s'est installé. En dehors donc, des touristes, il y a aussi les Français qui viennent de province, qui sont intéressés parce que ça leur permet de voir autre chose. Et puis, il y a cette perspective de la Grande Roue. C'est toujours une attractivité pour tout le monde. Levez tous vos yeux dans le ciel, dans un instant il va passer pour vous saluer, vous dire bonjour, c'est mon ami le Père Noël. Levez tous vos yeux dans le ciel, il est venu pour vous saluer, à la roulotte Mirella, c'est mon ami le Père Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, petits et grands. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, petits et grands. Quand la mariée est trop belle, tout le monde veut coucher avec. Ils ne sont pas venus au début de la création de ce produit-là. Personne ne disait rien parce que c'était une allée toute noire où les touristes se faisaient agresser. J'ai empêché, j'ai fait une opération de salubrité publique, j'ai empêché les agressions, j'ai mis de la lumière et j'ai fait en sorte qu'il y ait un beau marché de Noël qui plaît au public.
Les politiques, ben voilà, ça passe, ça repasse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Leurs agressions m'indiffèrent, c'est lourd à supporter parce que quand on travaille comme on le fait, et puis qu'on fait attention à tout ce qui se passe. Moi, tous les marchés de France, je les connais, contrairement à eux. Moi, j'ai exercé dans tous les marchés de Noël de France. Je sais ce qu'ils valent, je sais ce qu'ils sont. Venir faire des comparaisons avec des marchés où les villes mettent beaucoup d'argent dans le commerce, alors que la ville de Paris ne met pas un centime. La ville de Paris, elle gagne 700 000 euros sur un événement comme celui-là. Ça ne coûte pas un centime aux Parisiens. Il faut bien aussi qu'on loue des chalets, puisque je suis décrié sur la valeur des chalets. Mais il faut savoir qu'on est, pour les créateurs et les artisans de France, on est les moins chers de toute la France. Donc ceux qui racontent n'importe quoi, on va les laisser dans leur camp. Les chiens aboient et la caravane passe. Ici, nous sommes un peu plus d'une quarantaine d'artisans. Un peu plus haut, au rond-point des Champs-Élysées, il y a des artisans de l'Île-de-France. C'est une chance de pouvoir présenter mon travail sur les Champs-Élysées. Ah, je suis enthousiaste, j'ai fait de très belles ventes et de belles rencontres. J'ai vendu une ceinture à un Saoudien hier, voilà, donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire toute l'année, ça c'est clair. Alors cette année, par rapport à l'année dernière, parce que j'ai fait le marché l'année dernière, mais on était dans des tentes, et là on a plus de visibilité dans les chalets et sur le rond-point, donc c'est mieux là. En fin de compte, on travaille dans la fidélité. La première année, quand on est venu ici, on s'était dit, tiens, Paris, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe? En province, c'est différent, je veux dire, nous on travaille dans le Charolais, donc c'est très local, ça fait 31 ans qu'on est installé, donc on a une clientèle... avec un suivi, on s'est dit à Paris, est-ce que les gens sont peut-être volatiles, comment ça se passe? Et en fin de compte, non, les gens sont restés fidèles. Les gens qu'on connaît depuis 6 ans reviennent chaque année nous voir. Donc ça, c'est super. Et même les étrangers. Donc ça, franchement, c'est bien. Les Parisiens, puis les visiteurs, les touristes étrangers sont très contents de découvrir en plus ce pôle métier d'art dans le marché de Noël, qui est un peu exceptionnel aussi, d'avoir cette qualité de produits dans tout ce marché. Je trouve que le marché de Noël, il faut le conserver, c'est quand même un marché qui représente beaucoup de produits français, qui représente la France, il y a de l'artisanat. Contrairement à ce qu'on peut voir sur le haut des Champs-Élysées, McDonald's, des boutiques de sport, PSG, le nouveau magasin d'hamburgers là, qui s'est installé sur les Champs à la place d'Agendas, tout ça, c'est pas français, tout ça. On a la chance de bénéficier de l'apport de la Chambre des métiers et puis de la ville de Paris. Voilà, j'espère que ça va continuer. Là, vous avez des sculptures en marbre de Carrare avec du verre et des inclusions de cristal de roche. Je travaille aussi le verre. J'ai rencontré pas mal de designers sur le marché qui vont peut-être ouvrir des portes dans le domaine de la sculpture. Ben, je trouve que c'est une belle réussite pour ces premiers chalets qu'on vient de visiter de créateurs parisiens. Je pense qu'ils sont très enchantés de se retrouver dans des chalets sur ce rond-point si magique des Champs-Élysées de Paris. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Ce marché de Noël est en train de prendre une vraie présence à Paris. Je l'ai suivi depuis ses débuts. C'est un progrès incroyable et c'est maintenant devenu vraiment un endroit de rêve où on peut déambuler pendant des heures.
Ben, de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Du moment que la fête continue, déjà la roue tourne. Les choses sont jamais pareilles. Et puis... Une bonne année à Monsieur Campion. We'll be right back.